Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jouer la chanson Action de Grâce d'Isaac Bukasa. Dites-moi si vous voulez d'autres tutos sur cet artiste. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de liker et de commenter la chaîne pour améliorer le référencement de la chaîne afin qu'elle soit connue par un plus grand nombre. Même un simple merci fait la différence. Alors, merci d'avance pour votre soutien. Alors, commençons notre tuto. La chanson se joue dans la gamme de Ré bémol. Je vous montre, d'abord au début, on va vraiment commencer par un si bémol mineur. Donc nous allons commencer par un si bémol mineur. Je vous montre. J'ignore que le Jourdain représente la mort, nous ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé assez fort. Dans la plus mauvaise période de l'année, le Jourdain est débordé. Nous étions en de l'enfant. J'en ai des témoignages. C'est doux. Alors, comme je vous avais dit, si bémol. Mi bémol mineur 7. A bémol 7. Na, 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 na. Et si Ré bémol. Et puis nous descendons. Descendons aussi. Na, 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 na. Na, na, na. Les mêmes accords. Et retourne en Do. Après retourne en Do. Je vous remontre. J'ignore que le Jourdain représente la mort, nous ne l'ignorons pas. Mais moi je l'ai traversé assez fort pendant la plus mauvaise période de l'année. Le Jourdain est débordé. Nous étions au temps de l'enfance. J'en ai des témoignages. C'est doux. Et si maintenant cette partie-ci, nous allons faire ceci. C'est doucière que vous voyez. Ah, je les ai ramassés au milieu du Jourdain. Ah, observez. C'est doucement que vous voyez. Accord de passage. Si. Fa mineur. La bémol. Fa. Je reprends. C'est doucement que vous voyez. Vous faites cet enchaînement. Et puis on répète. Na 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 na. Jourdain. Les mêmes accords. Donc, si do majeur. De ré bémol. Si bémol mineur, la bémol 7, fa majeur, fa dièse plutôt, ou sol bémol. Je reprends. C'est double que vous voyez. Na 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 na. Et c'est une boucle. Ta la 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 na na na. Tout le temps les mêmes accords. Je vous remontre. C'est doucière que vous voyez. Ah, je les ai ramassés au milieu du Jourdain. Ah, observez bien ces pierres que j'ai moi. On ne les trouve jamais. Mais là, on va rajouter une petite mélodie. Vous allez voir. C'est doucière que vous voyez. Ah, je les ai ramassés au milieu. Observez bien ces pierres que j'ai moi. On ne les trouve jamais sur le rivage. Cette adoration demande
Et ici, ici, voilà. Donc, on rajoute juste ceci. Et puis, on rejoue normal. On revient. Vous avez compris? Allez. Troisième partie, je t'apporte. Nous allons faire ceci. Je t'apporte, oh, papa, je t'apporte les actions des grâces. Les fruits de mes lèvres pour publier tes offres. Oh, Père et Machoukrani, voilà. Père et Machoukrani, Père et Machoukrani. Oh, je t'apporte, oh, papa, je t'apporte les actions des grâces. Les fruits de mes lèvres pour publier tes offres. Oh, Père et Machoukrani, voilà. Père et Machoukrani, Père et Machoukrani. Je t'apporte, je t'apporte. Actions de grâce. Donc, Fa mineur, La bémol deux fois, et puis Fa dièse. Et puis, on retourne en Ré bémol. Donc, je t'apporte, oh, papa, je t'apporte les actions de grâce. Vous voyez, c'est vraiment très simple. Oh, la même porte par laquelle mes actions des grâces montent verra aussi descendre les bénédictions célestes sur moi. Ici, c'est simple en fait. Vous faites ceci. La main. La main gauche est toujours la même progression d'accord. Hein. Donc, Do dièse, Si bémol mineur, Sol dièse ou La dièse bémol, et puis Sol dièse, La Sol bémol ou Fa dièse. C'est toujours les mêmes. La main gauche, vous faites ici. Tant ça. Je vous montre. Oh, la même porte par laquelle mes actions des grâces montent verra aussi descendre les bénédictions célestes sur moi. C'est simple, très simple. Allez, la dernière partie. Ici en fait, c'est simple, c'est simple. Puis, au
voyez? Mais évidemment, la note que je fais ici, vous le faites en octave. Hein, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Voilà, nous arrivons à la fin de notre tutoriel. J'espère que cela vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur Piano Quick.